Et salut tout le monde, c'est Alex Yuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Oh! Millennium Duel. Et du coup, eh ben on va affronter Yami Yugi. L'ami Yugi bien sûr. Avec quoi comme deck? J'ai pensé éventuellement à un deck de bâtard, Seigneur Lumière. J'aurais peut-être dû mettre Bête Gladiateur, tiens. On s'en fiche. Allez, on va faire toujours ciseaux puisqu'on s'en fiche. Je vais commencer ou pas. Puisque par exemple ça nous a sauvé la vie de commencer contre Joey. Sinon on aurait été mal quoi. Alors. Ok. Jusque là pour l'instant notre main est pas mal. Alors on va défausser, on va faire une échange solaire déjà. On va défausser Wolf. On a un Wolf qui part déjà, ça c'est bien. Un Wolf qui est parti dans les tréfonds. Et voilà, et on va une phase. Du coup on va balancer, c'est bon. Activer, oui on va l'activer tiens. Sabre Seigneur Lumière qu'on va mettre sur lui. Elle plutôt. C'est Jeanne. Hop, on s'en fiche, c'est quoi? Je me souviens même plus, ça envoie beaucoup, c'est ça, oui, c'est ça. Cibler un monstre, très bien. Vas-y, détruis-la, je gagne 1000 points. Une carapace cachée, ouais. Ah, ça c'est moins bien. Bon, de toute façon, j'ai Lila. J'ai Lila. On va placer déjà. On va placer Lila. On va activer bien sûr son effet. Du coup par la même occasion pour détruire les épées de révélation lumière qui vont beaucoup trop me ralentir sur ce duel. Nah, je veux pas. Mais pas trop faillite. On attaque son monstre. Ça va être du roi. Donc son effet n'est pas activé. Il a plus que 3 cartes. Ça sent bien. Hop. Non, le dragon du jugement. Et une force miroir. Dragon du jugement et force miroir sont partis. C'est bien dommage. Activer l'effet de la carte. Ou à beaucoup. Tu n'attaqueras point. Alors. Ça n'a pas grand intérêt tout de suite en tout cas. Je ne peux pas la remettre normal. Jane. J'aime bien son nom en anglais. Jane. Night Sworn. On va placer Jeanne. Par contre je pioche pas du tout hein. Ça c'est assez terrible. J'ai pas de moteur de pioche actuellement et je pioche même pas le dragon du jugement. Dommage. Bon, Yugi a pas l'air de s'en sortir. Actuellement il s'en sort pas top top. Ouais. Ah, un autre wolf en mode attaque. Déjà les trois wolves sont passés. Un monstre encore face cachée. Il est pas très bien apparemment. Bestial ange, on va sacrifier ça. Et comme ça on a gagné déjà le premier duel. Bon souci. Drago et dire. Non, peut-être pas. Dragon du... Oh, merde, tous mes dragons du jugement sont dans le cimetière. C'était une partie sympa. Heureusement qu'on a gagné, hein, puisque tous mes dragons du jugement dans le cimetière, ça fait mal. Ça fait mal quand même. Et vas-y, Yami Yugi. Hop, et on va bientôt commencer UGX d'ailleurs, ça va être cool. Ça va être cool. Bon, enfin, il faut encore faire une victoire sur Yami Yugi. Mais on est à 4 minutes et on l'a battu rapidement. Bon, après... Voilà. Alors qu'est-ce qu'il va choisir? Pour l'instant son deck n'était pas hyper efficace. C'était magicien des ténèbres, enfin magicien sombre. Mais c'était avec les chevaliers, chevalier de la reine, chevalier du valet, chevalier du roi. Donc des trucs pas très intéressants. Ok, on va me placer ça. On va placer Garotte. On va une phase. On va
Voilà. Un truc que je devrais mettre, c'est le sarcophage doré, tiens. Le sarcophage doré devrait bien marcher sur un... Faut que je dégage, puisque ça, je peux pas le garder contre moi. On va mettre Lila. Qu'est-ce que ça va faire? Rien. On va le mettre en mode défense, c'est pas grave, ça ralentit un peu mon DPT, dégâts par tour. Mais ça nous évite une force de miroir. Et autant assurer ça. Après, elle m'a... Enfin, j'allais dire maintenant elle. Maintenant, j'irai pas confondre il, elle, l'ordinateur, la chose, l'animal, bref. Ouais. Ouais. Bien dégoûté. Non, c'est bon. Magicien blanc expérimenté. Ouais. Il a placé un monstre que je pourrais détruire avec Garrote. Ah, et là, j'ai pas besoin de Dila. Donc, hop. On va placer un deuxième Garrote. On va attaquer. Ah, les 50. Les cartes qui ont 50 dans leur point d'attaque ou point de défense. Truc chiant quand t'es en tournoi, hein, puisque là, il faut ajouter 50 et tout. Ouais. Chiant à compter. Ah! Oui. Ah, pourquoi j'aurais pas dû mettre la force de miroir hein, pour une carte de merde. Non, puisque là, c'est pas très simple. Hein. Là, je me sens pas très serein en fait. Bon. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être cool? J'essaie de Rico. Ah ouais, mais il peut les détruire. Hein. Oh merde, je crois que les deux Rico sont dans le cimetière. Oh merde, sa mère. Du coup. Allez. Oh mais putain, je voulais prendre un Rico, mais... Bon bref. Alors, on va poser elle. Ouais, sauf qu'il va la retirer du jeu ou la détruire, quelque chose comme ça. De toute façon, même si j'avais un Rico, il l'a dégagé. J'avais un doute sur son effet. Mais il peut pas attaquer. Oh, et voilà le magnifique Dragon du Jugement qui retourne la situation. C'est bien sûr le meilleur. Dragon du Jugement, allez, boum, 1000 points dans ta face. Enfin, dans ma face à moi, plutôt. Lumina, il manque 150 points de dégâts. On va activer, j'ai failli activer l'effet du dragon du jugement. Ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage. Je conviendrais bien sûr. Wolf, je sais plus s'il peut attaquer le tour où il a invoqué avec. Toujours des petits. Je crois oui. J'ai pas lu. Ouais, il peut attaquer. Et voilà, retournement de situation. J'ai bien fait de prendre Lila. Parce que ça nous a. Ça nous a permis de gagner. You win. Et voilà. Bon alors il y a mis Yugi, hein, bien sûr, le mec tellement cheaté dans l'anime qui gagne tout le temps. Et on lui a pissé dessus. Alors Yu-Gi-Oh! GX, on arrive au moment à peu près où eh bien, il y a des trucs qui sont pas débloqués. On n'a jamais vu ça dans Let's Play pour l'instant. Donc il reste encore deux duels que je n'ai pas fait en mode expert. Sauf souris Meda. C'est Maeda, j'avais un doute. Alors Charlie et ses koalas. Mais où est Charlie? Mais où sont ses koalas? Premier. Et second. Les bots, de toute façon, ils s'en fichent. Hein. Hop. Ouais, une main... à top. Quoique. On va poser. On va poser. On va poser. Et on va pas activer l'effet. Sacrifice inutile. Comme ça on balance un wolf, ça nous permet de l'invoquer. Comme ça on a un petit monstre à 2100 points d'attaque en mode attaque. Et un monstre en mode défense de 2100 points de défense. Donc pour l'instant on est assez
C'est bien. T'as un deck mythologique? Dommage. 100 points au moins. Non, c'est bon. Il a deux cartes, donc j'ai une chance sur deux de piocher, de détruire une bonne carte. Donc on va détruire celle-ci au hasard. De toute façon, il les place au hasard. C'est bien. Ok, là spécialement. Ouais. Ok, échange solaire. On va défausser Wolf, comme ça on pioche deux cartes, dont un Wolf. Nice. On va activer le renfort de lumière, donc on va envoyer les trois premières cartes, dont un putain de dragon du jugement. Soit Jeanne, soit Garrote. Hein. On va prendre Jeanne. On va prendre Jeanne. On invoque en mode attaque. Ça va être pas mal. En Battle Falls. Il n'y a pas d'effet bizarre. Hein. Non, c'est bon. Ça pourrait annuler. J'ai pas pensé à rien. En fait, 400 points en moins. Hop. Et on va... Donc on va perdre encore deux cartes et... Il subit 500 points de dommage, moi je gagne 500 points, ça c'est bien. Ça élargit un petit peu l'écart entre nos points de vie. Ok, ok. On va poser... Voilà. Activer l'épée de révélation de lumière. On va voir ce que c'est, un petit syntoniseur. Battle Falls et on va attaquer son petit syntoniseur parce que je lui fais pas confiance. Phase. On va encore perdre deux cartes mais il va subir 500 points, je gagne 500 points de vie. Que va-t-il piocher? Est-ce qu'il va piocher? Il a un deck quand même. C'était un deck mythologique. En fait je lis même pas les descriptions des trucs quoi. Invocation flip. Hop, on détruit ça. Merde. Je me suis dit, tiens, il va retourner Rico. Non, quand même pas. Quand même pas. Il faut pas rêver. Non, mon Rico ne peut pas détruire son monstre. Dommage. Mais c'était très utile, hein, de... D'accord. Non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ah, c'est pendant le tour. Durant la end phase, il n'y a rien qui a été dégagé. Hein. Force miroir pour ça, non. Il a plus aucune carte, donc je vais faire un vortex foudroyant sur ces deux cartes là. C'est bon. Ouh, Gragonis. Dragonite. Hop, on dégage toutes ces cartes. On invoque Gragonite. Je rappelle comment il m'avait fait rager, hein, bien sûr. 4400. Et on attaque. Alors, Charlie, do you have fun? Dragon du jugement encore. Épée de... Oui, bah, allez, let's go. Hein. On est plus à 700 points près, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein. Non, mais non, mais non. Non! Il est obligé de défoncer sa carte. Voilà. Oui, c'est vrai, il y a des dégâts perso, bon, c'est bon. J'avais oublié. C'est vrai, c'est pour ça qu'il me faisait rager. Enregistrement en cours. Suivant. Bastien Misawa, Seigneur Dragon. Oui, je crois que c'était après avoir affronté ce putain de deck que je me suis dit que... Le mode expert était chaud. Parce que le seigneur dragon, avec les dragons, les seigneurs dragons machin, et hyper cheaté. Un deck que je devrais essayer de faire, faudrait que je me renseigne comment le faire. Et bon, de toute façon, j'ai la recette du deck de Bastien. Misawa. Mais
Bah déjà, ça commence bien, Dragon du Jugement. Et en plus, oh là 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 là. Et le jeu nous aime. Puisqu'en fait, c'est un deck où on invoque facilement des gros monstres en face. Ok. Ok. Voilà, il va en fait appeler cette carte grâce à une invocation spéciale, puisque ça va être... il va vraiment enchaîner les trucs. Oui, voilà, donc tu as défaussé ça, donc tu peux invoquer ça. Sacrifice inutile, tu dégages un truc. Il peut en avoir deux ou trois dès le premier tour. Hein. Possible. Jeton Fluffy, jeton Fluffy. Dragon des ruines. Et il va faire une synchro niveau 9. Niveau 6. Oui. En tout cas, big fun, hein, franchement. Franchement, j'ai l'air de m'amuser à fond. Au revoir. Bon bah bonjour, hein. Bon bah bonjour. Il me faut quelque chose qui me fasse défausser des cartes. Il faut invoquer rapidement le dragon du jugement. Ah, oh, quoique. On détruit sa carte face cachée. Et ça peut être pas mal. Escape a goat, ok, posé. Une phase. Donc il a renvoyé dans sa main. Il a que... Bon, déjà on va activer. Comme ça il va se calmer. Il va pas nous défoncer direct. Appelez cette carte, puis là c'est une invocation spéciale. Mais il y a que ça comme effet. Blaster. Redox. Dove. Ouais. Ouais. Je vous dis que son deck est pété. Seul moyen de faire ça comme ça. Et jeton Fluffy, jeton Fluffy. Seul moyen que je... Le seul moyen que j'ai pour gagner, ça va être d'invoquer le dragon du jugement. Et là, ça pourra tout clear. Et encore, contre ce deck, c'est chaud. Contre ce deck, c'est chaud puisque s'ils sont dans le cimetière, ces monstres, il peut les dégager en fait. Ouais. Il peut invoquer ses seigneurs dragons en retirant du jeu les cartes du cimetière. Donc du coup, il faudrait que je lui fasse un petit OTK. C'est pas avec deux Wabuku de suite que je vais bien gérer puisque là, il en a trois. Bah là, ça va être Redox par terre. Vous pouvez déposer une carte, cibler une carte seigneur lumière niveau 4 de votre cimetière. Une carte. Des cartes pour défausser, mais ça permet. On va faire ça. On va faire ça. On va activer son effet. On va défausser Dragonite. On invoque Génisse. Nice. En mode défense. Histoire de tempo un petit peu. On espère que... Et un petit sabre comme ça, on subira moins de dégâts quand il va défoncer. On va espérer que pas mal... qu'il y en ait... qu'il y ait au moins un seigneur lumière qui dégage du deck à la fin du tour avec l'effet Lumina qui en défausse 3. Et après on a gagné. On avait gagné. Tiens bien bon mot. Oh Wolf. Eh bah tiens, en mode défense. Et hop, il subit 5 et on gagne 500 points. Lui il est renvoyé. Et en plus ça se trouve on va garder des cartes sur le terrain. Ok, il active encore, il va prendre Tempest. Vous êtes souhaité dans Tempest d'ailleurs, tant que j'ai... Tant qu'en fait je vois ce mot.
Zetsuen no Tempest, un bon manga sympa je trouve, qui... Par contre c'est mindfuck, un petit peu comme, comme manga. Ça pour... puisque... Oui d'accord. C'est très... Réfléchir à beaucoup de choses dedans. Quoi. Ok, il me dit pas qu'il va... Non c'est vrai, il peut pas attaquer avec Big Eye. 1, 2, ta mère. On est que 3 dans le cimetière. Oh merde. On a perdu. On a perdu. Poser en mode défense. Il a géré. Il a quand même géré. Mais... Sauf que Big Eye. Le... Ouais bon, il le prend. Tu peux réinvoquer un truc, voilà, tu l'invoques, et voilà. C'est pour ça, ce deck est absolument... Ouais, c'est compliqué à gérer quand même. Non plus le deck, bah, tu, voilà, tu fais des... C'est pas un Exodia Rush où, en fait, le deck fait tout. Ouais. Donc t'as pas besoin de réfléchir énormément. Attendez, je fais une ellipse. Bon, re tout le monde, je sais pas, j'ai regardé, en fait, j'ai vu qu'il y avait un décalage apparemment. C'était, bon, genre de 21 minutes, ce qui, en fait, c'est un problème que j'ai déjà eu auparavant sur mes vidéos quand j'enregistrais, et ça faisait que le son était complètement fuck sur les enregistrements audio. Sur les vidéos. Et non, là, ça a l'air bon. J'ai regardé. Et bon, je crois qu'il y a un décalage quand même de 3 secondes de mes réactions sur le début de l'épisode. Mais du coup, c'est pas grave. Au moins, vous avez l'audio. Bon, bon, après, sur un Yu-Gi-Oh, si ma réaction est de 3 secondes après... Voilà, on s'en fiche. Ah, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Voilà. Allez, on retente. On retente. On va essayer de... Ça va être compliqué. Alors, on pose ça. On met renfort de lumière. On va prendre un Rico. On va prendre un Rico. Hop, déjà, j'ai eu peur. Il y en a un qui est dégagé. J'ai fait, oh merde, non, pas encore une fois. On le voit beaucoup. On va mettre Garrot. Comme ça, and Fox. On va laisser ça comme ça. Le Rico, on va le mettre plus tard. Quand il y aura en fait un machin. Ouais, ouais, tu dégages. Hop, on invoque, bien sûr. On va mettre le bois beaucoup. Comme ça, on ne subira pas. Enfin, notre monstre restera là. Ok. Ok. Jusque là, là on est bien. Là je veux bien. On va enlever le Garrot. On invoque Celestia. Et on va détruire avec son effet son monstre. Sa carapace cachée. Donc hop, lui. Sélectionner notre carte. Lui. On ne va pas trop vite. What? Oh lui, c'est sérieux? Ils sont retirés du jeu à la fin du tour, c'est bien ça. Du retirer... C'était... Totalement inutile de faire ça, bon. Non, c'était totalement inutile, puisqu'ils vont redégager. Là de cartes, je le vire. Et ça lui a juste enlevé 4000 points de vie. Hein. Voilà. Il n'a rien changé, puisque ça le défend pas. Ça ne défend pas ses points de vie. Aïe. Là, je crois qu'il a une très mauvaise main. Il a pioché très peu de cartes. Épée de révélation de lumière. Dame de lion. Ouais. On va mettre Génis. Nice. On va lui mettre le sabre, Seigneur Lumière.
sur elle. Ça, on va détruire son monstre. Pas de décalage. Non, c'est bon. Je vais vérifier maintenant, je vais devenir parano. Hop. Sur notre dandelion. Après, il y a ces deux choses, les jetons fluffy qui arrivent. Grave. Elle passe. Voilà. Ah ouais, non mais il a vraiment rien. On va poser ça. On va poser lui. Et avec Genice, on attaque lui. Une pause. Oui, il va pouvoir faire une synchro à un moment. Merci. Ah lui, il a... par contre, là, il a vraiment pas de chance sur ce qu'il pioche apparemment. Rico. Trouver une carte, oui. Celle-ci. Alors il avait quoi en fait, hein, j'aurais pu le défoncer. On s'en fiche. Alors, on a perdu un dragon du jugement. RIP. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Hop, on n'active pas. Hein. On attaque avec notre Rico, le petit Fluffy. Pour optimiser les dégâts. Avec Genice. Nice. Et comment... Ouais, en anglais c'est Genice. Phase. Allez, active ton effet, il perd 500 points de vie, je gagne 500 points de vie, on est très bien. Sauf s'il pioche un seigneur dragon, j'ai une trappe sans fond, c'est ça. Trappe sans fond si jamais il veut en invoquer un. Hein. Eh, non. Non. Non, moi je dis non. Trappe sans fond. Au revoir. Bon, mais... Et faire quoi l'autre? Il est malade dans sa tête. Et... Ah si. J'allais dire mais non, mais il ne donne pas de monstre. Connard. Mais non, c'est bon. On balance un wolf au cimetière. Hop. En mode attaque. Non, pas de chaîne. On met en mode attaque. Et voilà, on a gagné contre Bastien Misawa. C'était... Il n'a pas eu de chance. Bah, nous, on a eu de la chance puisqu'il a eu une sortie merdique. Il n'a eu qu'un seul... un ou deux... Non, il a invoqué que deux fois son dragon, son seigneur dragon. Pauvre de lui. Et on va s'arrêter là puisque je pense que le duel contre Zayn va être assez compliqué. Mecha fantôme. Enfin, j'en sais rien. Là, je me souviens plus du tout. Hein. Juste le Seigneur Dragon qui m'avait beaucoup marqué, puisque c'était un deck hyper efficace, il faudrait que j'essaie de le faire, comme je vous l'ai dit. Le deck Mecha Phantom, je ne sais rien. Bref, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas fait, on se retrouve pour un prochain épisode mercredi prochain. Et sur ce, bye bye tout le monde.